Star aujourd'hui, leader demain. Ce mois-ci, coup de projecteur sur la 6e édition de la conférence des femmes à Helsinki. Dans la deuxième partie, nous irons à Grenade, qui accueillera les prochaines Universiades d'hiver. Nous nous rendrons aussi à Reims, où était organisé un match de foot entre la France et la Grande-Bretagne. Enfin, dans la dernière partie, nous rencontrerons deux cyclistes suisses qui s'étaient illustrés lors des Universiades d'été de 2011. Campus Sport s'est rendu à Helsinki parce que s'y tenait un des plus grands rendez-vous mondiaux concernant les femmes et le sport. Les délégués de la 6e conférence internationale IWG sur les femmes et le sport sont arrivés au Finlandia Hall. Plus de 800 personnes en provenance de près de 100 pays avec pour slogan « Dirigez le changement, soyez le changement ». La conférence internationale sur les femmes et le sport est organisée en association avec la Fédération internationale des sports universitaires. Être ici m'a permis d'accumuler plus de connaissances. Cela va me permettre de mieux aider les femmes dans mon pays. Depuis le début, la FISU a cru en la parité et elle s'est toujours montrée juste dans l'égalité entre les sexes. Très vite, chaque sport a été ouvert aux femmes. Les disciplines féminines constituent une des priorités de la FISU dans le programme des compétitions pour avoir un nombre égal d'athlètes des deux genres. La FISU a évolué très très vite sur la question de l'égalité des genres, en ayant d'abord une commission des femmes, puis une commission de l'égalité des genres qui a été institutionnalisée en tant que comité permanent en 2012. La majorité des étudiants sont des étudiantes. Et dès lors, nous voulons être certains que ça a une influence à la fois sur l'activité sportive, mais aussi sur la gestion des fédérations sportives. Le président du comité international olympique, Thomas Barr, n'a pas oublié que la première participation des femmes aux Jeux olympiques remontait à 1900, mais qu'il a fallu plus de 80 ans pour qu'elles intègrent les instances dirigeantes du CIO. Dans peu de temps, le CIO atteindra l'égalité parfaite et il pourrait bien y avoir une femme à la tête du CIO en 2020. On aura sans doute la parité d'ici 6 ans. L'IWG a eu l'occasion de participer à la conférence de la Commission européenne sur l'égalité des genres dans le sport, organisée à Vilnius, en Lituanie, en décembre 2013, ainsi qu'au travail préparatoire du groupe des experts de la Commission européenne. La Commission européenne, le sujet de l'égalité des genres dans le sport est devenu un sujet important. On a fait beaucoup ces dernières années et on est en train d'accélérer puisqu'il y a un nouveau EU Work Plan for Sport, donc un nouveau plan de travail pour le sport qui vient d'être adopté récemment au Conseil. Avoir des modèles est essentiel dans les pays où il existe des barrières culturelles à l'exercice féminin du sport. Si vous êtes athlète paralympique et femme, vous pouvez être vue comme une double battante ou comme une simple battante pour une double cause. Je suis au sein d'un énorme groupe de battantes et il y a une formidable ambiance révolutionnaire dans cet endroit. L'énergie d'anciennes championnes comme Michèle Mouton, dernière femme à avoir participé à des compétitions internationales de rallye, comme une longue liste d'athlètes l'ont fait dans d'autres disciplines. En tant qu'athlète femme, on a déjà expérimenté la compétition sportive et ces expériences font de nous des membres à part au sein des fédérations. Je pense qu'il y a bon nombre d'anciennes athlètes qui sont prêtes aujourd'hui à prendre des responsabilités dans le sport et ces athlètes peuvent apporter beaucoup d'expertise, non seulement sportive parce qu'elles savent ce que cela signifie d'être athlète physiquement, mais elles peuvent aussi avoir une expertise technique, elles savent comment fonctionne la machine du sport et tout le business autour. Malgré les
progrès significatifs réalisés depuis la signature de la déclaration de Brighton en 1994, les femmes restent sous-représentées dans les forums de décision sportifs. Les conférenciers ont appelé à une plus forte participation des femmes dans les processus d'élaboration des politiques sportives. À ce niveau-là de compétences, on est souvent absente ou peu nombreuse. Est-ce de la discrimination? Je pense que les hommes ne le voient même pas. C'est juste naturel pour eux d'être une vingtaine et qu'il n'y ait qu'une seule femme, ou peut-être même pas de femme. C'est parfois mieux pour eux, mais quand une femme émerge, qu'une première femme sort, alors ils se disent « Oh, vraiment, ça change, c'est différent ». Cela ne veut pas dire que les hommes sont des monstres, qui sont aveugles. Ce qu'on essaie de faire, c'est de leur apprendre à mieux regarder. Les femmes ont un rôle important à jouer dans le sport à tous les niveaux, comme athlètes, entraîneurs, officiels et leaders. À travers le sport, les femmes contribuent à assurer une plus grande égalité entre les genres. Restez avec nous dans la deuxième partie de notre magazine. Nous nous rendrons à Grenade, ville hôte des prochaines Universiades d'hiver. Et nous irons aussi à Reims pour un match de foot entre la France et la Grande-Bretagne. La ville de Grenade se situe à 738 mètres au-dessus du niveau de la mer et pourtant, ce n'est situé qu'à une petite heure de voiture de la côte méditerranéenne. C'est ici que se trouve l'Alhambra, la plus célèbre construction de l'héritage de l'art arabo-espagnol dans le pays. La ville andalouse aura aussi l'honneur d'accueillir les prochaines Universiades d'hiver de la FISU. Le comité d'organisation a travaillé très dur pour préparer la venue de cet événement, partagé avec la ville slovaque de Srpske Pleso, où se dérouleront les épreuves de ski nordique et de biathlon. Les Universiades vont aider à améliorer notre statut sur la scène internationale. Plus de 60 pays vont nous découvrir et nous aurons davantage d'infrastructures sportives dans la Sierra Nevada. Les sites de sport de glace seront une nouveauté pour nous et nous allons apporter aux Universiades le nouveau concept de jeux d'hiver dans les pays méditerranéens. Nous avons des sports d'hiver ici aussi. Nous avons de bons sportifs, hommes et femmes, dans les universités et à un niveau professionnel. Et c'est ça que nous pouvons apporter. Le comité d'organisation est notamment composé d'étudiants de l'Université de Grenade, dynamiques et enthousiastes. Organiser un événement comme celui-là, c'est une opportunité unique d'acquérir de l'expérience au niveau international, parce que pour le moment, ça reste le plus gros événement sportif jamais organisé à Grenade. L'un des piliers de ces organisations d'événements sportifs reste le volontariat. Il faut de nombreux volontaires pour accueillir les milliers de sportifs engagés. Pendant les Universiades de 2015, nous aurons besoin d'environ 1200 bénévoles sur les 13 zones de compétition. Pour le protocole, les accréditations, la restauration et l'hébergement, pour pouvoir couvrir toutes les épreuves sportives. L'Espagne a une longue et riche expérience en termes de sports de neige, mais les sports de glace sont pour la plupart inconnus. Il faut donc construire des patinoires pour le hockey, le curling, les épreuves de patinage artistique et de vitesse. Avec près de 80 000 étudiants, l'Université de Grenade a été la première en Espagne à offrir une section de sport dans les années 50. Nous avons un projet avec le ministre des Sports en Espagne. Quand vous êtes un athlète de haut niveau, vous pouvez accéder directement à toutes les études que vous voulez. Les sportifs professionnels peuvent choisir leur spécialité. La prestigieuse université s'étend autour de 5 différents campus dans la ville de Grenade. Les sportifs vont acquérir ici les connaissances nécessaires pour avoir un bagage professionnel.
Je suis très privilégié d'être un sportif et d'étudier. C'est vraiment une grande chance. C'est un grand défi de trouver un équilibre entre l'entraînement et les études. On étudie le matin et on s'entraîne l'après-midi, donc il faut être capable de gérer son emploi du temps. Sinon, on n'y arrive pas. C'est difficile pour moi de concilier sport et études parce que je suis skieuse. Chaque jour, j'ai besoin de m'entraîner dans les montagnes. Parfois, il faut changer son planning d'entraînement. Donc, il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver du temps libre, même quand on en a peu. Les professeurs sont très impliqués. Parce que vous êtes un athlète étudiant, vous avez besoin de choses particulières. Donc je participe à des réunions avec eux. C'est plus facile pour nous que pour d'autres étudiants de rater des cours et de participer à des séances d'entraînement. On comprend qu'il y a des moments où nos étudiants sportifs ne peuvent pas être en cours parce qu'ils sont en compétition quelque part. Donc on essaie d'adapter nos dates d'examen ou sinon on les change. Mais on attend d'eux la même rigueur, la même exigence que pour nos autres élèves. Direction la Sierra Nevada, en 2006, la région avait accueilli une épreuve de la Coupe du Monde de ski alpin. La Fédération de ski andalouse va donner aux Universiades 2015 de Grenade une équipe spécialisée dans chaque compétition de ski, parce qu'elle se déroule en parallèle, comme le ski alpin et le snowboard. Nous avons besoin de beaucoup de gens et nous devons vérifier que tout est bien organisé et respecter les règles de la FISU. C'est très important d'avoir une équipe d'experts dans toutes les compétitions. On trouve notamment un centre d'études pour que les étudiants athlètes continuent leur formation universitaire en station. Nous devons construire notre avenir et être prêts pour ça. Grenade 2015 s'est entourée aussi d'athlètes charismatiques, comme l'ancienne skieuse Maria José Rienda, une des skieuses les plus populaires d'Espagne. Ici, l'atmosphère de l'université, c'est quelque chose qui compte beaucoup. La station de ski de la Sierra Nevada fait beaucoup de promotions pour les prochaines universiades. On est très actifs pour attirer les étudiants. On promeut aussi les sports d'hiver. C'est le genre de personnes que l'on recherche. On a besoin de ces étudiants. Pour moi, c'est un grand honneur d'être ambassadrice de ces universiades. D'abord parce que cela se tiendra dans une ville merveilleuse et dans une belle station de ski où j'ai grandi. Donc ne manquez pas ces prochaines universiades parce que ce sera un événement fantastique. Nous avons conscience que les universiades et les sports d'hiver sont inconnus en Espagne. Nous sommes très réalistes. Nous savons très bien que les sports d'hiver ne sont pas les sports principaux ici. Donc d'un côté, les universiades peuvent aider à promouvoir le sport universitaire, dans lequel nous sommes très impliqués, et en même temps, donner un profil plus visible aux sports d'hiver. Et ce que la FISU offre à Grenade, c'est l'héritage de ces universiades, l'occasion pour la ville de prolonger cette tradition sportive au niveau international. Pour la première fois, la ville de Reims accueillait l'équipe de football universitaire de Grande-Bretagne. Le football réunissait deux nations liées par une rivalité ancestrale, la France et la Grande-Bretagne. L'équipe de France universitaire les a accueillis dans les salons de l'hôtel de ville, dans une ambiance un peu tendue, car la dernière fois que les deux équipes ont disputé une finale universitaire, la France avait remporté l'or. Je souhaitais avoir une véritable vitrine afin de mieux faire connaître dans la région le sport universitaire. Vincent Rognon, directeur national, m'a proposé, suite aux résultats de l'équipe de France de football en juillet dernier à Kazan, de refaire la finale, de rejouer le match ici à Reims.
Nous avons de bonnes relations avec nos adversaires français. Nous sommes ravis d'avoir été invités. Moi, je préfère dire que c'est un nouveau match plutôt qu'une revanche. L'été dernier, ça avait été un match très serré. Les deux équipes vont s'affronter une fois de plus à l'occasion d'une rencontre amicale dans le stade Auguste Delaune de Reims. Déjà, on ne fait jamais des matchs amicaux, et notamment contre les Anglais. Et là, c'est un match de préparation. On est déjà dans la préparation des universitaires de Guangzhou. Et je pense que les 10 nouveaux, entre guillemets, qui sont aujourd'hui dans le groupe, ont bien compris l'importance de ce regroupement. En juillet 2013, lors des universiades d'été de Kazan, en Russie, la France était arrivée dans le tournoi avec le statut d'outsider et elle a terminé en tête d'un groupe difficile comprenant le Pérou, le Canada et le Brésil. On était très très bien en place, on a réussi à marquer rapidement. On a eu énormément de chance aussi, je pense, car notre gardien Hugo Baquet a arrêté un pénalty. Ensuite, juste après la seconde mi-temps, on marque également, ils marquent un but contre leur camp. On a perdu, on est allé jusque dans le temps additionnel et personnellement, j'ai marqué les deux buts. Possession de balle, ils avaient énormément le ballon, mais nous, on était tellement bien compact et c'est ce qui nous a permis, je pense, que d'arriver à la victoire. Au final, c'est décevant, mais c'est une rencontre qui a été disputée avec un bon esprit des deux côtés. Ils ont perdu le match grâce à notre esprit d'équipe, je pense. Et les Bleus se sont imposés 3-2 après les prolongations. Ça change énormément de choses. C'est... Les équipes s'entraînent dans des lieux différents où elles mettent en place des stratégies très secrètes. Les étudiants en provenance de plusieurs endroits en Angleterre ratent les cours durant la semaine. Ces athlètes étudiants organisent leur emploi du temps au mieux pour concilier leur passion du football et leurs études. Je joue samedi, une sorte de match professionnel pour le Forfa Athletic. Ça prend beaucoup de temps. On a deux sessions par semaine et le match le samedi. Mais le football, c'est mon sport, celui que j'ai choisi et que j'apprécie le plus. Le foot, ça prend beaucoup de temps. Après, de l'autre côté, les études, on essaye de faire les deux. Là, je viens de passer les oraux du CAPEPS pour être prof de sport. J'espère que ça sera bon. Le sport, d'abord, permet de se faire des amis. Les gens avec qui je joue aujourd'hui étaient mes meilleurs amis à l'université. Les entraîneurs sont une pièce essentielle dans les sports universitaires. Ils s'occupent des joueurs pendant les compétitions, mais surtout, ils adaptent les plannings aux exigences du travail universitaire. Les entraîneurs sont très importants parce qu'ils doivent comprendre vos obligations académiques et celles liées au football. Parfois, l'équilibre est difficile à trouver, surtout quand on joue le week-end et qu'il y a des devoirs à rendre. Mais on a une grande flexibilité, les entraîneurs sont fantastiques pour ça. Mercredi 28 mai, c'est le jour J, les choses sérieuses commencent. La Grande-Bretagne prépare ses joueurs pour le match. C'est compliqué parce qu'on a, je pense, 8 joueurs qui ont disputé cette finale et à peu près 8 nouveaux joueurs. Donc c'est difficile, on essaie d'apprendre à jouer ensemble. J'espère qu'on va gagner, mais je sais que la France est une bonne équipe. Avant toute chose, je souhaite que ce soit un bon match, mais j'espère qu'on le gagnera. L'équipe de France est en route pour rejoindre le stade. Des deux côtés, les équipes sont très concentrées. L'une d'elles veut refaire exactement la même chose qu'aux universiades de Kazan et l'autre rêve d'un résultat exactement opposé. C'est l'heure des dernières explications stratégiques. Je pense qu'ils ont un gros esprit de revanche et que nous, on a envie d'enfoncer le clou. Donc j'espère que ça va encore tourner en notre faveur.
L'équipe de France de football est à domicile. Le public du stade soutient les Bleus, mais l'équipe de Grande-Bretagne est accueillie avec respect. Le premier but intervient tôt dans la première mi-temps, grâce à Jean-Pierre Morgan, le numéro 10, 1-0 pour la France. En deuxième période, la Grande-Bretagne a inscrit un but grâce à Scott Wilson. Égalité, mais pas pour longtemps. Le doublé. Et maintenant, c'est direction la Corée du Sud pour remettre. J'en mets 203. Dans la dernière partie, nous découvrirons les médaillés d'or et d'argent de Shenzhen 2011 en cyclisme sur route, les Suisses Bernard Oberholzer et Patrick Schelling. Le cyclisme est un sport rare aux Universiades. Jusque-là, il n'a été inscrit que deux fois au programme, à Edmonton en 1983 et Shenzhen en 2011. Lors de cette Universiade chinoise, le Suisse Bernard Oberholzer s'est illustré en remportant l'or de la course en ligne et l'argent de la course au point sur piste. Trois ans plus tard, il s'est orienté vers d'autres horizons. Voilà l'université pédagogique de Saint-Gall. J'étudie pour devenir professeur de lycée. L'allemand, le français, la musique et l'histoire, mais aussi l'anglais. J'adore apprendre. Arrêter le cyclisme a été une décision difficile, parce que je ne l'avais pas prévu. J'ai eu des problèmes de santé que je n'ai pas pu soigner à temps. Et puis j'étais arrivé à un âge où je n'avais plus beaucoup de chances de décrocher un contrat professionnel. Donc je savais que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter ma situation. Et je savais que ce serait ma dernière saison. Dans la vie, il faut toujours se battre pour atteindre ses objectifs. Vous ne pouvez les atteindre qu'en allant les chercher, pas en ne faisant rien. C'est un message que je veux transmettre à mes élèves, qu'ils doivent croire en eux. La Suisse avait frappé un grand coup à Shenzhen en 2011. Dans l'épreuve en ligne, c'est en effet un autre Helvète qui avait terminé deuxième derrière Bernard. Il s'agit de Patrick Schelling, aujourd'hui professionnel au sein du team IAM, ses routes d'entraînement préférées, la région d'Appenzell en Suisse. Depuis 7-8 ans, je m'entraîne dans cette région et ce n'est pas un terrain facile pour le cyclisme. C'est assez difficile pour s'entraîner. Il faut vraiment en tout donner. Ensuite, j'ai réalisé que je devenais toujours meilleur et c'est ce qui m'a motivé à continuer dans ce sport. Je voulais saisir cette chance pour me faire une place dans le cyclisme professionnel. Jusqu'à présent, j'ai réussi et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que quand je ne serai plus dans le cyclisme, dans 5 ou 10 ans, je pourrai me concentrer sur mes études et reprendre mes études d'ingénieur, les terminer et m'épanouir dans cette voie.
mich da in diese Richtung dann weiter entfalten kann. Schelling et Oberholzer sont toujours restés en contact. Lorsqu'ils se revoient, l'un de leurs sujets de discussion préférés reste cette fameuse course de Shenzhen, 160 km de parcours difficile sous la canicule. J'ai pas eu de chance en début de course. Une crevaison m'a porté un coup psychologiquement, mais je savais qu'il fallait que je revienne rapidement dans le peloton. Je savais que je pouvais le faire avec mon nouveau vélo. Et puis ensuite, il y a eu une échappée. J'étais dans ce groupe et Patrick Schelling a réussi aussi à nous rejoindre. Mais le groupe était désuni et ça m'a énervé et ça m'a mis en colère. J'avais déjà subi une crevaison. J'étais maintenant avec les leaders et je me suis dit... Tu as déjà tellement donné, tu as déjà investi tellement d'efforts dans cette course, tu ne peux pas les laisser se comporter comme ça, alors qu'ils ne veulent pas travailler ensemble. À ce moment-là, j'ai attaqué. Un nouveau groupe avec trois coureurs, moi, Patrick et un autre. Et on le savait, ça allait être tout ou rien. On a parlé ensemble pendant la course, je m'en souviens très bien. Bernard m'a dit qu'on avait la force pour la décision finale et qu'on pouvait s'échapper sans le japonais. On était ensemble, on a fait les 10 derniers kilomètres ensemble jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est vraiment une super sensation de finir quand on a dominé la course et qu'on connaît les efforts qu'on a fournis pour ça. Ensuite, réussir avec un coéquipier, c'est vraiment quelque chose de sympa. C'était vraiment une course très dure. Pendant les presque 4 heures de course, on a dû affronter la chaleur et l'humidité. Donc ça a été un vrai soulagement d'arriver au bout. À l'époque, c'est le japonais Genki Yamamoto qui complétait le podium. La cérémonie reste un grand souvenir pour nos Suisses. Ça compte beaucoup pour moi, surtout d'avoir pu vivre ces moments d'émotion, des moments liés à ma médaille d'argent et qui occupent une place toute particulière dans mon histoire personnelle. En tant qu'ancien athlète, cette médaille a une grande valeur pour moi, parce que je ne sais pas comment la carrière de Patrick évoluera, mais maintenant il est professionnel, il peut encore gagner, tandis que moi, ma carrière est finie. C'est pour ça que ce succès est tellement important pour moi. L'avenir est ouvert pour lui, mais mes médailles ont une place réservée et importante dans ma chambre. C'est la fin de cette édition de Campus Sport. Rendez-vous le 23 juillet pour le prochain épisode. Star aujourd'hui, leader demain.